Peuple togolais, je te salue. Je salue tout le peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je salue tous les leaders de partis politiques. Je salue tous les leaders de la société civile. Je salue tous les leaders de toutes les confessions religieuses dans notre pays. Je salue tous les leaders des syndicats. Je salue tous les leaders de toutes les associations de défense des droits de l'homme. Je salue tous les Africains, les Panafricains, tous ceux qui lutte pour que notre Afrique soit libérée des mains des dictateurs, des impérialistes et du néo-colonialisme. Peuple togolais, je voudrais encore m'adresser à toi. Et mon intervention concernera toujours le tripatouillage de notre constitution. Et le changement politique du régime politique dans notre pays par des mercenaires, des terroristes à la solde de l'impérialisme qui, bien que leur mandat à l'Assemblée nationale ait expiré depuis décembre 2023. Ces personnes ont orchestré un coup d'État constitutionnel, je dis bien un coup d'État constitutionnel contre le peuple togolais. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous l'intervention de monsieur Bawara, ministre de la fonction publique dans notre pays, qui a été reçu sur la chaîne France 24 pour s'expliquer sur la crise constitutionnelle qui est décriée actuellement partout en Afrique, et spécialement au Togo. Donc, je vais vous faire écouter l'interview et on passe à mon intervention. Et on ouvre ce journal par la situation politique au Togo qui défrait la chronique dans le pays. Il y a une semaine, le 25 mars à minuit, des députés dont le mandat avait expiré depuis décembre ont voté une loi qui change le régime présidentiel en régime parlementaire, une nouvelle constitution qui a suscité la colère de l'opposition et une partie de la société civile. Pour en savoir plus, on retrouve depuis le mai le ministre de la fonction publique du travail, du dialogue social et cadre de l'UNIR. L'UNIR, c'est l'Union pour la République, le parti de la majorité. Gilbert Bawara, merci d'être l'invité du JTA France 24. La décision du président de la République de renvoyer le texte en deuxième lecture, est-ce un recul face à la pression de l'opposition? Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de déclarer tout à l'heure. Le Togo n'est pas actuellement en crise. Il y a la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui a pris ses responsabilités, qui a initié une réforme constitutionnelle. Cette réforme fait l'objet de débats, d'interrogations et de questions. Nous pensons que cela reflète la vitalité et la vigueur de la démocratie togolaise. Cela ne doit pas conduire à des interprétations erronées et qu'il y aurait une prétendue crise en République togolaise. Alors dites-nous justement, que change justement, vous êtes déjà au pouvoir, le parti est déjà majoritaire, que change justement ce changement en régime parlementaire
et présidentielle. Qu'est-ce que ça change finalement, vu que vous êtes déjà au pouvoir? Mais avant de répondre à cette deuxième question, je voudrais aussi vous dire que l'initiative du président de la République en demandant une deuxième lecture d'une révision constitutionnelle déjà votée en première lecture par l'Assemblée nationale traduit à la fois sa volonté et son esprit d'ouverture et de dialogue, mais cela traduit également l'esprit de responsabilité et de sérieux qui nous détermine dans la conduite de cette réforme. Depuis les débats à l'Assemblée nationale jusqu'au vote de la révision par l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de débats, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Et compte tenu de l'importance de cette réforme, il est légitime que le président puisse s'assurer que les clarifications, la clarté et les précisions qui méritent d'être apportées, notamment quant à l'articulation des différents pouvoirs. Alors, dites-nous justement, vous parlez de légitimité, monsieur Bawara, vous parlez de légitimité, mais déjà, il y a certains qui contestent ne serait-ce que le vote du Parlement, vu que le Parlement n'a plus de mandat depuis décembre 2023. Madame, j'étais ministre de l'administration territoriale il y a une dizaine d'années, lorsque, à l'initiative et en accédant à la volonté et à la demande de l'opposition, telle qui conteste aujourd'hui, et l'Assemblée nationale en place avait connu 10 mois de prolongation. Ici, on est en train de parler de 3 mois. Cela étant, je voudrais vous dire qu'en application des principes et des règles constitutionnelles élémentaires au Togo et partout, les députés et l'Assemblée nationale en exercice et en fonction exercent la plénitude de leurs pouvoirs et de leurs attributions jusqu'à l'entrée en fonction effective de leurs successeurs. Tant qu'ils sont en fonction, ils exercent à la fois leurs prérogatives en matière d'adoption des lois et leurs prérogatives en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la même Assemblée nationale a procédé à des modifications concernant le cadre législatif et je constate que certains de ceux qui contestent aujourd'hui la révision constitutionnelle n'avaient pas eu de contestation à formuler. On vous entend. On vous entend. Merci pour cette réponse, Monsieur Bawara. Merci pour cette réponse. Parlons du fond à présent. Les gens disent que ce changement constitutionnel, en fait, c'était pour assurer une sorte de présidence à vie par l'opposition qui dit ça. Une présidence à vie à Faure Gnassingbé qui est déjà au pouvoir depuis 2005. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je voudrais vous dire que ce sont des et les éléments essentiels de la nouvelle constitution, c'est d'abord le mode d'élection du président de la République. Il est élu par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale réunies en congrès. Et je rappelle que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple, que les sénateurs, une grande partie des sénateurs, sont l'émanation des conseils municipaux et des conseils régionaux qui sont également élus au suffrage universel direct. Et donc, les principes démocratiques connus ailleurs sont respectés en la matière. Deuxièmement, l'exécutif est dirigé par un président de la République qui a des responsabilités symboliques et honorifiques, élus par le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le président du Conseil est l'émanation de la majorité à l'Assemblée nationale. Je n'ose pas imaginer que certains de nos adversaires politiques supposent qu'en allant prochainement aux élections législatives, que le parti actuel majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir UNIR, aura nécessairement la majorité. Nous allons à une compétition électorale ouverte, libre, crédible. Il appartiendra aux Togolais de décider la majorité qu'ils souhaitent voir à l'Assemblée nationale. Merci. Majorité que sera issue le président du Conseil désigné par le parti qui la majorité qui aura remporté les élections que je rappelle seront le 20 avril prochain. Merci beaucoup Gilbert Bawara d'être venu dans le JTA France 24. Merci beaucoup pour vos réponses. Peuple togolais, bienvenue dans mon direct. Vous venez d'entendre
Bawara, le ministre de la fonction publique au Togo et cadre du RPT Uni. Je tiens à vous dire que nous avons affaire à des gens malhonnêtes. Nous avons affaire à des gens qui n'aiment pas le Togo. Nous avons affaire à des criminels et à des mercenaires du néocolonialisme et de l'impérialisme dans notre pays, le Togo. Voilà des gens qui veulent nous duper, qui veulent nous traiter de n'importe quoi, qui veulent faire croire que c'est l'opposition qui est le problème au Togo. Voilà un monsieur qui, pendant des années, a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Et lorsqu'on lui demande que le Togo traverse une crise politique, il répond que le Togo n'est pas en crise. Nous avons affaire à un monsieur que je peux qualifier de marmailleur. C'est un marmailleur professionnel, ce Bawara, et qui ne dit jamais la vérité, qui est un sophiste professionnel, qui ne dit jamais la vérité. Donc aujourd'hui, il pense que le Togo n'est pas en crise, que le Togo n'est pas en crise politique. Que le Togo n'est pas en crise politique, lorsqu'on se réunit, lorsqu'une assemblée nationale qui a perdu sa crédibilité, son autorité, une assemblée qui a perdu son mandat depuis décembre 2023, qui se réunit nuitamment et par tour de passe-passe, vote une loi nuitamment, vote une loi lorsque les Togolais dorment. Lorsque les Togolais sont au lit et en train de dormir, des gens comme des voleurs se précipitent pour voter une loi, pas n'importe quelle loi, une loi constitutionnelle pour changer un régime. Et on me dit que le pays n'est pas en crise politique. Voilà quelqu'un qui se dit responsable. Voilà quelqu'un qui pense que le Togo n'est pas en crise. Et il dit que à quelques jours nous irons à l'élection pour renouveler l'Assemblée nationale. Et qu'il est étonné que l'opposition est en gestation et qu'il leur dit que bon, peut-être qu'ils n'auront pas une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà un monsieur qui veut se foutre de nos gueules, qui pense que nous ne connaissons pas comment fonctionne ce système. Des gens qui tripatouillent une constitution depuis des années, depuis la gouvernance du père Eyadema Nyasigbe et jusqu'au fils. Parce que le père et le fils ne voudraient pas que la constitution soit leur direction pour gouverner un pays. Mais ils veulent que la constitution s'adapte à eux. C'est ça le problème. Le marmailleur Bawara
pensent que nous sommes des idiots et pensent que nous sommes des enfants qu'on peut facilement mélanger. Dans un pays où on organise des élections frauduleuses, depuis plus de 60 ans que nous vivons cette situation. Et lorsque la Constitution limite le mandat présidentiel, arrivé à la fin du mandat, le président de la République modifie la Constitution en complicité avec une majorité bidon à l'Assemblée nationale pour s'éterniser au pouvoir. Pour s'éterniser au pouvoir. Donc voilà ce monsieur, un criminel comme lui, nous dit que qui sait que nous gagnerons les élections législatives à venir. Écoutez, il faut voir même le cadre dans lequel on organise ces élections. Il faut voir le découpage électoral pour savoir qu'il serait difficile que ces élections puissent être déroulées dans la transparence totale. Non, à chaque fois, on tripatouille la Constitution pour que cette Constitution soit taillée à mesure, à forme assimée, on modifie la condition pour que la constitution soit adaptée à forme assimée pour qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. C'est ça même la règle du jeu. Voilà. C'est ce que je peux qualifier de bullshit, comme le disent les Américains. C'est du bullshit, ce que nous vivons au Togo. Nous avons des gens, des criminels, des voyous, qui contrôlent les institutions de l'État. Et qui en font ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. En 2005, nous avons connu le même problème. Notamment, on a taillé à mesure la Constitution à Fognasibé pour qu'il puisse remplacer son père de foi. C'est cela. Parce que ces personnes ne veulent pas quitter le pouvoir et utilisent l'armée pour intimider le peuple, pour intimider l'opposition, pour garder à tout prix le pouvoir. Ce changement de régime n'est pas quelque chose qui est fait dans l'intérêt supérieur du peuple togolais ou dans l'intérêt supérieur de la nation. Non. Cette modification ou ce changement de régime, c'est dans l'intérêt d'une seule et une seule personne qui est Fognasibé et de son clan qui gouverne le Togo pendant plus de 60 années. Sinon, pourquoi, à 3 semaines des élections législatives, un groupe de députés se réunit et change la Constitution? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à encore modifier la Constitution à 3 semaines des élections législatives? Voilà la grande question. Le Togo n'est pas... C'est-à-dire que... On ne comprend pas. Il y a des Sénégalais qui sont comme vous. Il y a des Sénégalais qui sont comme vous. Il y a des droits
ene pem le jole duame ke la ten anabe deputyo ko be manda evo o la bo e zanga do me po a modifier constitution ke togo vu le dano nou ke na ne de yimya be e dume vio wabe sécurité et le menacer à l'autre duame be ne le jole duame ke ye la ten na bo a modifier ne be constitution mi la do ke et nous, il y a un aïe, a commis le gada, les trois semaines, pour avoir, on les modifié la constitution, on les changé le régime. Et gomene ma, nous, quand il est tout tourné, n'est pas mort, c'est ce qu'on voudrait savoir. C'est-à-dire que c'est du gangstérisme d'État. C'est du gangstérisme d'État. Et on ne peut pas nous dire que ce sont des députés qui se sont levés comme ça, de nulle part. Ils se sont réveillés un matin et ils ont décidé. Non, le promoteur même, le promoteur de cette modification, de ce changement de régime, c'est Fonia Simé. Ce n'est pas la première fois, même après la conférence nationale souveraine, lorsqu'on a mis sur pied le Haut Conseil de la République, qui est aussi, en ce temps-là, une Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais les militaires ont séquestré les hauts conseillers de la République. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vit cette situation. Si Bawara me dit aujourd'hui, ou dit au peuple togolais, que qui sait que l'opposition aura la majorité à l'Assemblée nationale pour les élections qui arrivent, qui sait que l'opposition n'aura pas la majorité, mais il se fout de nos gueules. Mais qu'il aille quelque part avec cette politique de marmaille. Ce monsieur de Barra ne peut convaincre qui que ce soit. Nous vivons cette situation pendant des années. Moi, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Et c'est seulement une seule famille que j'ai connue dans ma vie qui gouverne ce pays. C'est un régime qui gouverne par la peur et par l'intimidation. Vous pensez que c'est si c'est la majorité, vous pensez que si c'est l'opposition qui a la majorité à l'Assemblée nationale actuellement et qui essaye de modifier la Constitution ou bien de changer le régime, vous pensez que les militaires ne vont pas aller là-bas pour séquestrer les députés de l'opposition, les frapper ou bien les chasser de l'Assemblée nationale? Mais ils nous racontent quoi? Bawara, on connaît comment fonctionne ce système. Nous savons comment fonctionne ce système. C'est un système clanique, militaro-despotique, qui gouverne le Togo. Même l'opposition, si l'opposition a eu une majorité dans cette Assemblée nationale, pour modifier la constitution, comme eux, ils le font actuellement, et changer de régime, ils enverront là-bas la garde présidentielle ou des forces d'intervention rapide pour frapper les députés et chasser les députés là-bas ou les séquestrer. Mais c'est ce qu'ils feront. Alors, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans... Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons vu des militaires dans ce pays. Nous avons vu, et il y a des mappés, lors de la conférence nationale souveraine, le jour où on devait nommer, ou bien le jour où on devait voter pour le premier ministre, pour la nomination du premier ministre, le chef de
le dictateur est un démon. S'est présenté à la chaîne de la télévision togolaise pour suspendre les travaux de l'Assemblée nationale. Pour suspendre les travaux de l'Assemblée nationale. Nous avons vu dans ce pays des militaires aller séquestrer les hauts conseillers de la République, qui sont aussi des députés. Ils les ont séquestrés, frappés, humiliés dans ce pays. Et c'est quelles sont ces conneries? Des conneries comme ça que ce monsieur nous raconte, que si c'est l'opposition, qui sait que l'opposition va remporter les élections à venir pour avoir une majorité et avoir pour dégager le président du conseil, du conseil des ministres. Vous nous prenez pour qui? Pour des idiots? Pour des idiots? Vous qui avez des leviers, les leviers, la machine électorale dans ce pays, vous qui avez entre vos mains la machine de fraude électorale, non, soyons sérieux. Lorsque j'entends Pascal Bodjona nous dire que c'est dans l'intérêt de la nation ou bien dans l'intérêt du peuple, c'est pour leur avantage, c'est pour leur c'est pour garantir la transparence dans le pays, c'est pour garantir leur sécurité, c'est pour garantir les droits de l'homme et tout ça là. Mais écoutez, je le vois même comparer cette forfaiture à la démocratie allemande. Mais nous ne sommes pas en démocratie au Togo. Et on ne peut même pas comparer la politique togolaise, cette dictature, à un pays démocratique comme l'Allemagne. Non. Soyons sérieux. Fornyasibe ne voudrait pas quitter le pouvoir. C'est cela, la vérité. C'est dans ce pays que nous avons vu les militaires séquestrer les hauts conseils de la République. C'est dans ce pays que nous avons vu les militaires attaquer des radios et télévisions pour faire des communiqués après la conférence nationale souveraine. C'est dans ce pays que nous avons vu des militaires avec des chars, des armes de guerre, aller attaquer la primature et tirer sur le gouvernement de transition. Et voudrait éliminer le premier ministre Kofi Go. C'est dans ce pays que nous avons vu, et à leur tête, le colonel, je ne sais même pas si le colonel Nyasimbe, qui, avec la garde présidentielle, armé jusqu'aux dents, ont séquestré le gouvernement de transition et tiré avec des chars sur la primature. C'est dans ce pays que nous avons vu ça. Tout cela, pourquoi faire? Pour s'éterniser au pouvoir. Mais c'est ça la vérité, M. Bahora. Arrêtez de nous raconter des conneries. Arrêtez de nous raconter de la supercherie avec votre frère Bodjona. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? Quelle couleur ce régime ne nous a pas montré dans ce pays? Quelle tuerie ce gouvernement n'a pas prémédité et orchestré dans ce pays? Combien de Togolais n'ont pas tombé dans ce pays à cause de Nyasimbe qui veulent garder le pouvoir éternellement au Togo? Combien de fois on n'a pas emprisonné des leaders de partis politiques dans ce pays? Combien de fois on n'a pas signé des accords et ces accords ne sont jamais respectés dans ce pays? Le Togo est en crise perpétuelle.
Bahora, le Togo est en crise perpétuelle. Les dernières élections présidentielles de 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Le gagnant de ces élections, on l'a chassé du pays. Et tout le monde sait, la communauté internationale le sait, que vous n'avez pas gagné ces élections. Vous n'avez pas gagné ces élections. Et Faure n'a même pas reçu une lettre de félicitation de la part de l'Élysée. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez falsifié. Vous avez falsifié un message, une lettre de félicitation du président français, ce qui est grave. Et la DMK avait saisi des magistrats. La DMK avait saisi les députés à l'Assemblée nationale en France à ce sujet. Et nous savons ce qu'on a dit à Faure dans ces idées. C'est vraiment grave qu'un gouvernant puisse falsifier un document officiel d'un pays étranger. Vous savez très bien que vous vivez dans le faux, un usage de faux dans la tricherie dans ce pays. Et c'est le peuple togolais, les citoyens togolais qui payent le prix. Et le prix que ce pays, ces citoyens payent, c'est des tueries, des emprisonnements arbitraires. Les citoyens sont pourchassés dans ce pays, emprisonnés. Nous avons des tas de politiciens en prison au Togo actuellement. À chaque fois, c'est le peuple qui paye le prix de votre criminalité notoire. Vous avez fait tout pour accaparer le pouvoir d'État et dénaturer les institutions de la République au Togo. Bawara. Vraiment, vous provoquez des gens. C'est de la provocation chaque fois dans ce pays. Vous utilisez toujours l'armée pour conserver le pouvoir d'État, pour pourchasser les Togolais, pour tuer les Togolais, parce que les Togolais n'ont pas des armes. Ils n'ont que leurs mains pour lutter contre vous. Et votre sanguinaire sans pitié voit ces choses et continue de vouloir s'éterniser au pouvoir. Au mépris du peuple togolais. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? Les tipatuas de la Constitution, la séquestration des députés. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? Qu'est-ce que vous n'avez pas montré au peuple togolais? Nous avons vu dans ce pays, en pleine campagne électorale, où le cortège du président de l'UFC son cortège a été piégé par les bénets rouges et à leur tête, Ernest Nyasibé, ont voulu tuer Jésus-Christ Olympio dans ce pays. Les bénets rouges ont tiré à bout portant sur le cortège présidentiel. Et selon les enquêtes,
c'est Ernest Nyasigbe. Le capitaine Ernest Nyasigbe qui a orchestré. Ces choses. Quel sacrifice le peuple togolais n'a pas fait? Les Togolais se sont sacrifiés pour libérer leur peuple, pour libérer leur pays. Ils ont tiré sur le cortège de l'UFC. Si ce n'est pas Dieu, il aurait pu éliminer Jésus-Christ Olympio. C'était le plan. C'était le plan de ce régime militaro-despotique et obscur que nous connaissons dans ce pays. Le peuple a trop subi et nous continuons toujours pas subir dans ce pays. Nous continuons pas subir la méchanceté de ce régime. De ce régime du nom du Père, du Fils et de l'armée dans ce pays. Où le fils d'Adama a décidé d'éliminer Jésus-Christ Olympio. Et certains ont trouvé la mort dans ce piège. Pourquoi? Pourquoi? Tout juste pour garder le pouvoir. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit faire subir toutes ces choses à un peuple? Sans armes, sans défense. Et nous continuons toujours pas à subir. Vous n'avez pas de conscience? Toi, Bawara, tu n'as pas de conscience? Je sais que tu ne faisais même pas partie d'une famille riche. Tu fais partie d'une famille pauvre. Et tes parents ont payé pour tes éducations. Et je sais que ces parents t'ont éduqué. Et t'ont donné une bonne éducation. Et je sais que tu viens d'une famille pauvre. Et tu sais comment les familles, les parents pauvres se débrouillent pour s'occuper de leurs enfants. Des fois, il faut cultiver la terre pour nourrir leurs enfants. Et je sais que tu en fais partie. Mais aujourd'hui, à cause du pouvoir, à cause de l'amour de l'argent, tu préfères enfoncer les pauvres. Tu préfères soutenir une armée, un régime. Tu préfères les soutenir pour enfoncer les pauvres. Vous paierez ce que vous faites dans ce pays. Un jour, vous paierez très cher le prix de ce que vous faites dans ce pays. Vous paierez. Vous n'allez pas échapper à cette punition divine. Oui. Si vous échappez à la punition de la nature, vous n'échapperez pas à la punition divine. Et je sais que cela arrivera. Je le sais. Les innocents que vous avez tués dans ce pays, vous paierez tôt ou tard. Tôt ou tard, vous paierez le prix
vous avez éliminé des gens dans ce pays. Les tueries de Frère Jardin. L'assassinat de Tavu Yamoura. Vous pensez que les Togolais sont vos esclaves. Mais un jour, ils seront affranchis. Un jour, les Togolais retrouveront la liberté. Je ne suis plus que persuadé qu'un jour, la lumière dominera les ténèbres et mon pays, le Togo, sera libéré. Oui, je suis sûr que le Togo sera libéré un jour. Et je sais qu'un jour, cette armée qui vous supporte, qui vous soutient, qui vous maintient au pouvoir, cette armée connaîtra un jour la lumière. Et vous dira non. Je suis sûr. Je vois se profiler à l'horizon ce jour de libération nationale de notre pays, le Togo. Que Dieu bénisse la terre dont nous avons. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Peuple togolais, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas ce régime être promulgué par ce promoteur, cet assassin, ce criminel de Fort Niassibé. Oui, n'accepte pas. Armée togolaise, n'accepte plus de tourner ton arme vers un citoyen sans arme. Ne fais plus ça. Ne le fais plus. Nous avons trop souffert. Et il est temps. Il est temps que vous sauvez la patrie. La patrie vous appelle, armée togolaise. La patrie vous appelle. Le Togo a besoin de vous. Le peuple togolais a besoin de vous. Il a besoin de vous. Que Dieu bénisse la terre de nos aïeurs et protège nos citoyens. Je vous remercie.